Ah, mais c'est le meilleur vaisseau du monde. Bienvenue à bord du Drake Vulture, le meilleur Alors. vaisseau personnel. Et je me posais justement la question, est-ce que c'est pas aussi du coup le meilleur vaisseau pour un duo? Eh bien, on va le savoir. Mais déjà, il veut pas fermer la rampe. Ça y est, les portes sont déjà cassées. Mais si, regarde, t'as juste appuyé sur le mauvais bouton. Voilà. Du coup, moi, j'aime pas de multi-outils. Alors, moi j'ai le tool, mais j'ai pas. Donc, je vais te le drop après dans ce cas-là. Ouais. Bah vas-y, drop-le-moi maintenant, comme ça c'est fait, après comme ça t'es tranquille. Il y a de la place dans ce Vulture, mine de rien. De la place. Ouais. C'est vraiment Hop. une bonne ambiance. Hein. Bah, il est où? Tu la vas? Je l'ai entendu, mais je le vois pas. Le multi-outil, c'est fait la malle. Foiré, il voulait pas bosser, je te jure, c'est incroyable. Nous sommes dans un serveur de 79 personnes. Mine de rien, le fait qu'ils aient classé par ordre alphabétique les noms du serveur à droite, ah, ça change la vie. Alors, je me mets sur la star map. Donc, on va où? À URL3? Non, non, non. URL1? Va, c'est UL1, ouais. Allez. Waouh. Ah, j'adore le Vulture. Il a une sacrée tronche, hein, ce Drake Vulture. Ouais, je le kiffe. Oh là 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 là, t'as vraiment l'impression que c'est un engin de chantier, quoi. C'est trop cool. Et puis j'adore le, tu vois, le, tu te dis il est jaune, mais c'est un beau jaune, tu vois. C'est ça, c'est le jaune taxi new-yorkais. Alors par contre, il manque quand même Radio Stanton. Je dis ça, je dis rien. Ah, Radio Stanton. Allez, je vais m'allumer ça, moi. Ah, pareil. Alors, capitaine, la radio que vous nous avez mise à bord est géniale. Vous pouvez laisser cette chaîne. À l'approche d'une carcasse de C2, capitaine. Je me mets en position. Est-ce que j'ai mon mode minage? Yes. Est-ce que ça marche? Ouais. Est-ce que mes joysticks fonctionnent? Ouais. Tout a l'air de fonctionner à la matrice. Parfait. Je me mets en abrade et c'est parti. Allez, à 0,90, arrête-toi et je vais créer un multi-tool. D'accord. C'est bon. Voilà. Create. Parfait, c'est parti, tu peux continuer. Oh, c'est trop bien. C'est tellement bien. Le fait que tu puisses craft, c'est vraiment cool. Ouais, et c'est qu'un début, apparemment ils veulent faire beaucoup de crafts différents dans le jeu. Ouais. Hop, j'ai mon tracteur beam. Nickel. C'est le top. Oh, je me vois tellement aux commandes de mon Vulture, tu vois, avec la radio Stanton, solo dans l'espace. Franchement, Radio Stanton, ça change tout. C'est génial. Ah, première caisse. Voilà. J'ai pensé à recocher l'éjection automatique, donc tout va bien. Dès qu'elle est sortie, tu peux recommencer à salvage en paix. Nickel. Ah, la caisse est bientôt sortie. Je vais l'attraper. Vol. Je sais pas quand est-ce que je peux la choper. Non, ah ouais, là c'est bon. Faut vraiment qu'elle soit au bout, non? C'est ça. Tant qu'elle n'est pas considérée comme sortie entièrement, tu peux pas l'attraper en fait. En vrai, c'est opti à deux dans le futur, hein, parce que Ouais, c'est pas mal en fait. ça te permet de rester aux commandes en fait, de jamais sortir du siège, aller t'emmerder avec les caisses. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, après, si tu fais beaucoup d'allers-retours, en vrai, ça va. Bah ouais. Sans aller au TDD, ouais, ça Parce que là on se. peut. C'est ça, on va pas aller au TDD, ça va être beaucoup plus rapide d'aller à Brio, même si on perd un petit peu de value, parce qu'on vend moins cher. On perd pas de temps à aller store le vaisseau, prendre le métro, etc. Ça se passe bien le chargement? Oh, tout va bien hein, dans la suite pour l'instant. Un régal. Bon, tu dois pas être perdu.
C'est sûr que c'est pas la soude du Rex Murat. C'est vrai qu'avec la musique c'était encore mieux. Et d'ailleurs j'aime beaucoup parce qu'ils ont physicalisé le... Pas le commerce mais le cargo, tu vois. Ouais. Et déjà les caisses n'ont plus rien à voir avec les caisses de cargo de la 317. Par rapport, tu veux dire, à leur look. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu as vu que tu peux les grab à la main et les tirer? Ah non, j'avais pas vu ça. Ah ouais, tu peux. D'accord. Ah ouais. Là, je peux m'amuser, par exemple. Est-ce qu'on grab une? Ouais, celle-là. Ah, il y a marqué que c'est trop lourd pour moi. Il y a eu marqué. Ah ouais. Ah. Donc est-ce que tu c'est penses marrant. Qu'on pourra, genre, à plusieurs, genre, un qui tire, un qui pousse? Peut-être, hein, je sais pas. Ou alors, ça t'indique que tu peux les caissons physiques, tout simplement, mais qu'il faut genre un transpalette ou un véhicule, ou du coup le tracteur bin. C'est cool d'observer aussi la presse qui crée la caisse une fois que le matériau sont plein, tu sais. Hop là. Ce qui est marrant, c'est qu'ils disent Citizens, ils disent Stanton, tu vois, ils disent ouais. Journey. On dirait que c'est fait pour ça, quoi. Je te jure. Peut-être que Chris Roberts a été inspiré de ce jeu en écoutant Radio Stanton, Kentucky. Ah, t'imagines. Merci Radio Stanton, si c'est le cas, sérieux. Merci à eux. Vous avez été une inspiration qui a changé ma vie. Le kiff, quoi. Vous êtes à l'origine de Star Citizen. Chris n'a rien inventé. Il a juste écouté la NBA sur Radio Stanton. Nous avons 12 SCU. Cool. Je pense que je peux remplir le côté entièrement. Faire genre 16 SCU. Non, 18 SCU. 12 plus 6, tu sais. Si je les mets correctement à côté. Ouais. Et après, on va à Brio. Ça commence à avoir de la gueule là-dessous. Hein. Ça commence à ressembler à de l'argent, quoi. C'est ça. Et pour le coup, un duo en vulture, en vrai, ça le fait. Hein. On peut discuter, on écoute la radio. Ouais, on peut voyager un petit peu. C'est vraiment chill. Hein. Il manque, tu sais quoi, un petit siège en bas pour le mec qui attend là. Un petit tabouret. Ouais, c'est ça. En vrai, tu vois quand t'es gamin que t'as la petite disquette avec les 6, 8 ou 12 carrés là, qu'il faut déplacer de gauche à droite pour refaire le puzzle. Oui. Là, je suis en train de m'imaginer ça pour les caisses, pour les déplacer celle de droite de la grille à gauche et pour remettre les caisses à droite dans la grille. Un casquette chinois. C'est ça. Et en vrai, ça marche trop bien. Je libère des SCU, je les mets à gauche et je remets sur les SCU de la grille. Et au moins, la ligne à gauche, elle reste bien droite. Ah, et la technique de lecture de code barre, quoi. Je kiffe. En plus, c'est trop cool parce que tu sais, tu fais un beau trait, ça fait propre. C'est ça? Ah, c'est incroyablement chill comme métier, le salvage. C'est clair. Après, je me demande si ça va rester comme ça parce que c'est vrai qu'en comparaison, le minage c'est vachement plus technique. Je pense que ça va rester comme ça, mais vu que le minage c'est plus compliqué, plus technique et que ça prend plus de temps parce qu'il faut le raffiner et tout. Je pense qu'ils vont augmenter la valeur du minage, en fait. La rentabilité, hein, parce que ouais. Franchement, c'est quand même pas du tout la même chose. Ah bah oui, attends, tu as vu l'argent qu'on se fait avec le reclaimer en très peu de temps. Ouais. Il faudrait que le mol soit au minimum aussi rentable sur le même laps de temps. Et tu te dis, le minage, tu te foires, le quantanium, il te pète à la gueule. C'est ça. Donc en fait, je me dis, soit ils vont le laisser aussi simple et aussi rentable, mais il y aura beaucoup moins d'épaves. Du coup, tu passeras beaucoup plus de temps à chercher, qui fait que ça contrebalancera le fait que quand tu trouves une carcasse, c'est rentable et tu l'as vite. Ouais, parce que c'est vrai que là, on se base sur la PTU qui a énormément de carcasses, quoi. Et c'est juste pour les tests. Et puis c'est que des Hercules en plus. Donc bon, faut pas se faire d'illusions. Bah non. Je pense qu'il faudra envoyer ton thérapine chercher tes carcasses valables. Et là, tu amènes ton reclaimer, quoi.
Ouais, mais je pense qu'ils vont rééquilibrer petit à petit jusqu'à la release pour que ce soit bien équilibré. Le minage est toujours des astéroïdes à miner, mais ils vont réaugmenter la valeur pour que le minage soit quand même, reste quand même intéressant, qu'il reste dans la course. Le salvage, ils vont peut-être encore plus le faire apporter d'argent, mais comme ce sera que les carcasses laissées par les joueurs ou par les PNJ qui seront possibles à salvage, et ben il y aura tout un travail de recherche comme tu dis, et du coup ça sera oui beaucoup plus rentable, mais il faut les trouver quoi les carcasses. Ouais, c'est ça. Alors il y a de la place dans ce vulture quand même, hein, on peut en foutre des caisses. Hein. Franchement, c'est. Il est bien pensé. C'est du Drake. Bien, bien optimisé, la taille, il n'y a pas d'espace perdu. C'est ça. Et je kiffe ce que tu fais vraiment, hein, cette façon de saluer, c'est parfait. C'est hyper satisfaisant, tu vas essayer tout à l'heure. On peut encore en prendre plus, hein. Si on fait un effort là. Ah bah allez, on fout là. Ah ouais, carrément. Hein. Faut que ça dégueule de caisse. C'est un métier vraiment plaisant, le salvage. Bon, et ben, il en restera un peu dans la matrice. Là, je pense qu'on peut aller vendre là parce que ça commence à D'accord. devenir compliqué en dessous là. Ouais, direction démarre. Alors, Anglais Sel, Drake Vulture. On a 19 SCU. Cool. 38 000 pour 7 SCU. Ok. 65 000 pour 12 SCU. Tu vois, au lieu de Voilà. 7 700 la caisse, on la vend 5 450 la caisse. On perd 2 300 par caisse. D'accord. Mais Mais c'est c'est pas juste à une énorme côté. perte. Ouais. Pour le temps gagné, je pense que c'est pas une énorme perte. Alors, je note dans l'inventaire la caisse 408, 92, 67. J'adore. Ça y est, on l'a la musique country. Je kiffe ça. Je sais pas toi, mais là je suis au top. Tu sais quoi, on est 80 sur le serveur, c'est super stable. C'est clair. C'est vraiment un gros step-up hein, cette mise à jour. Ouais. C'est la mise à jour où Star Citizen devient un vrai jeu. Pile à la fin de cette musique, nous arrivons sur cette carcasse de ces deux. C'est tellement dingue. Ah, c'est risqué ça. En tout cas, je confirme que j'adore le Salvage, j'adore le Vulture. Il est incroyable. Il donne tellement de vibrations, quoi, ce vaisseau. Ah, il est cool. Et je confirme aussi que le Vulture A2, c'est incroyable. Je sais pas ce que t'en penses, mais Ah ben c'est une très agréable expérience.
C'est vrai qu'il est, il est agréable à vivre. Minage activé. Exceptionnel. Je pense qu'on frôle les 30 là. Là, là, on est bon là. En fait, ils ont vraiment pensé à tout, CIG, parce que là où je suis pour pouvoir gérer les caisses tout autour de moi, en mode opti, ce petit espace là, et ben c'est pile l'endroit où il y a le bouton eject. D'accord. Ah, c'est plus de la contrée, là. Non, pas vraiment. I need together. Oh, c'est une version country. Oh, je kiffe. Ah ouais, c'est énorme. Oh, c'est démentiel. Station obstruée. Ah ouais, pardon. J'éjecte. Il était trop pris par la musique country. C'est ça. J'étais, j'avais le pied dessus, je crois. Il y a beaucoup, beaucoup de caisses. Mais vraiment. Quand ça sera bon, je descendrai pour voir. Je peux descendre au moins. Oh merde. Tu peux descendre si tu veux, si tu veux, tu peux descendre. Mais tu passeras pas la porte. Je t'envoie un screen, tu vas halluciner. Oh la vache. Ah ouais, t'as fait fort. Ouais, il est beau celui-là. Alors, il va falloir qu'on change de vaisseau. Ouais, il nous reste une caisse là, une caisse là, une caisse dans la matrice, trois caisses, voire quatre si j'arrive à bien gérer. Oh, je me suis cassé la gueule. Donc j'ai essayé d'accélérer tranquille, mais... Oh, c'est pas grave, tout va bien. C'est du FPS. Peut-être essayer de faire quelque chose. C'est assez risqué. Ouais, c'est bon, ça passe. Ça passe. Vas-y, tu peux en faire une autre. Il y a un nombre de caisses incroyable dans ce voiture. J'ai hâte de voir combien il y en a. Hop. Oui. Oh là là, GG. Tu gères. C'est bon, tu fais la dernière et après on va à Braio. Et je suis renfermé dans les caisses. C'est incroyable. Oh là là. Je vais essayer de la maintenir en l'air suffisamment longtemps pour que ça éjecte. Si ça marche, ça serait incroyable. Attention, attention. 90. Ah, bouge plus, bouge plus. Attends. Oh, vas-y. Ah non, non, attends, n'y va pas. Vas-y, vas-y. Ça passera pas. Dac. Bon. On va à Braio. Allez. Je vais peut-être pouvoir me dégager en fait. Imagine, on se fait attaquer. On se fait attaquer, on est en soft death et toi t'es enfermé dans les caisses et les mecs ils disent ouais, c'est bon, on a tué le pilote. Et ils commencent à décharger. Je suis dans le cadeau moi. Je suis une pochette surprise de pirate.
Il enlève la caisse avec son multi-tool. Je te jure que en VWIP, je dis hello there. Je vais pouvoir me libérer, je pense. Ouais, j'ai pu passer. Il y a encore plus de place que ce que je pensais. Oh putain, on aurait tellement pu faire deux caisses en plus. Je suis à côté de toi. Ah bon? Salut. Mais lol. J'ai réussi à me sortir de ça, c'est un truc de fou. Oh, incroyable. L'expert Bac plus 5 en gestion de cargo. Oh, oh, j'ai quitté le vaisseau. Non. Reviens me chercher. T'es à 5000 mètres. T'es à 20000 mètres. Oh, c'est beau, merci. Merci, merci. Comme quoi, les crashs, ça... Les bugs de texture, je veux dire, ça veut du bon, des fois. Oh, ce screen. Oh, je vois le futur arriver. Ah, oh, c'est tellement beau. Oh, le rescue, quoi. Bonjour, oh, le monsieur. Meilleur vaisseau de rescue. Le taxi est arrivé avec la bonne couleur, en plus. Merci. Je vous laisse rentrer par la porte gauche. Oui, j'arrive de suite. Merci, mon brave. Rien de rien. Oh. Oh, je me suis cassé la gueule. Oh, t'as fait un de ces looping. Attends. Oh. Il y arrive pas. Oh, le... Putain, j'ai perso... ouvert la porte. Le perso qui arrive pas, quoi. Ah mais j'adore, mais j'adore. Merci au fait. Ben de rien. Allez, fais péter le record maintenant. Oh, d'où le bâtiment de vente. Oh. Il est juste à gauche. Ah ouais, voilà, c'est ça. Fais péter le record qui m'a dit. Attention, attention au record. Avant de vendre, vas-y, quitte le véhicule. Je vais te montrer, je vais ouvrir la porte arrière. 26 total, c'est insane. Hein. Oh la gueule. Oh la gueule du storage, quoi. Alors, je vais essayer de vendre. Alors, sel. Agriculture. Don't you just love artists who are real and have something real to say? If you like any artists you hear tonight, please support them by purchasing their music. Oh putain, j'ai vendu 13, il y a 3 qui sont apparus à la place. Comment ça? Donc ça fait 13 plus 3, ça fait 16 plus 12, ça fait 28. Plus celle qui est dedans. Plus celle qui est dedans, ça fait 29 caisses. Oh la vache, attends, là je la sors là. 29 caisses. 29 SCU. Je sais pas si on peut faire plus en fait, parce que tu aurais vu la logistique qu'il a fallu faire quand même. 29 SCU vendus avec un Drake Vulture. Après, moi je vois au poste de pilotage, j'y ai vu que du feu. Alors attends. J'étais à 2 millions. Combien? 245 000? C'est ce que je t'avais dit, non? Ouais. Moins. Pas 2 millions, 1 million. Je pète.
Moins 1 371 000. On vient de faire 126 000. Eh ben, dis donc, c'est propre. 126 000. Oh, t'es où? Alors attends. Le tac 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 tac. Recyclé de matériel composite RMC. C'est 5450. Alors attends. Je vais faire un petit produit en cours en vrai. Un ICU, c'est 5400. Comme ça. Pour être sûr. 126 000 on vient de faire. Ouais. Donc 1 fois 126 000. Dépenses. Oh, c'est bizarre, ça me dit 23 ici. C'était peut-être pas 126 000. C'est peut-être, c'est peut-être plus qu'on a fait là. Faudrait que je revoie avec l'enregistrement après. Mais ouais, mais c'était 29 parce que attends, 13 plus 12 plus 3 plus 1. Ouais, c'est ça, c'est 29. 29 SCU, Star Wolfy. Eh ben, ça c'est propre. C'était incroyable. La musique de son. En tout cas, c'était une session de salvage incroyable. Merci. Je suis bien d'accord. Je voulais tester du coup le Vultura 2 depuis un moment en fait et en vrai c'est tellement bien. Et je finis cette session incroyable en rampant sur le bras du Vulture. C'est ça. Chose qui est impossible de faire sur d'autres vaisseaux et ça lui rajoute un charme supplémentaire. Ah mais tellement. Et là j'ai le pied sur un tuyau là tu vois. J'aime bien ce côté où tu peux être là, couché et tout, et tirer depuis ton vaisseau, c'est génial. Ouais, c'est démentiel. Wow. Ah, oh, c'était classe. Go, 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 go. Tire de suppression. Tire de sommation. Oh, c'est incroyable ce tir à travers le shield. Waouh.